Hola a todas y todos, soy Marta Trivi y estoy aquí con Adrien, que es el desarrollador de Homo Máquina, también es el cofundador de Darjeeling Productions, y con Marc, que es representante del canal Arte en Francia, para hablar pues, precisamente del juego que han sacado en coproducción, que como he dicho es Homo Máquina, un juego de puzzles que podéis encontrar tanto en plataformas móviles como en Switch, podéis jugarlo ahora mismo en Nintendo Switch, y que está basada en la obra de Fritz Kahn. Básicamente, el juego te permite pues, recorrer los diagramas y los mapas hechos por el médico, resolviendo una serie de puzzles para poder avanzar. ¿Y por qué queríamos hablar de Homo Máquina? Pues es porque es uno de estos proyectos que se está desarrollando ahora mucho en Francia, en el que un agente cultural, junto con un grupo de desarrolladores, animadores, artistas, programadores, crean un proyecto para difundir cultura, básicamente. Y al ser además este un proyecto que no solo ha tenido importancia en cuanto a la difusión de la cultura, sino que ha tenido bastante recorrido comercial, pues queríamos hablar con los creadores para pues ver un poco cómo ha sido el desarrollo, cómo ha surgido la idea y, bueno, cómo es en realidad el proyecto. Así que voy a pasar a saludarlos. Hola, Marc, ¿cómo estás? Hola, soy muy bien, gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Y Adrien, ¿cómo estás tú? Fenomenal. ¡Qué perfecto! Ha quedado todo genial. Así que, bueno, vamos a empezar con la entrevista. Y quiero empezar preguntándote a ti, Adrien, ¿cómo encajan los videojuegos en el proyecto de Arte Francia, teniendo en cuenta que vosotros habéis trabajado hasta el momento pues tanto con publicaciones en papel como con pues, vídeo y con animación? En fait, moi je travaille à Arte, qui est la chaîne de télévision culturelle franco-allemande, où on produit des jeux vidéo maintenant depuis 2013. Ce qu'on fait de la même manière qu'on pourrait produire un film ou un documentaire d'auteur, on a choisi de soutenir des jeux vidéo d'auteur, comme Homo Machina par exemple. Et effectivement, on croit que que le jeu vidéo est un art et qu'on peut ici utiliser le jeu vidéo comme un médium pour diffuser la culture européenne, mais aussi voilà, soutenir des créateurs qui ont des choses à dire et qui ont un point de vue différent. Homo Machina, ça s'y prêtait plutôt bien. Donc, c'est le premier jeu qu'on a édité aussi. On est coproducteur de jeux vidéo jusque-là, et pour Homo Machina, on a également été le publisher, l'éditeur, pour la version mobile et pour la version Switch. C'est exactement ce genre de jeu qui peut être et narratif et culturel, presque pédagogique, mais pas que, on en reparlera. Et puis avec des parties pré-graphiques très très forts, ici de l'inspiration Fritz Kahn. Mais voilà, c'était un jeu coup de cœur pour nous quand on l'a rencontré, et on croit vraiment au soutien de ce genre de projet. Pues continuando con la idea base del proyecto, me gustaría saber por qué os decantasteis por adaptar la obra de Fritz Kahn. ¿Por qué concretamente de él? Eh bien, en fait, tout simplement parce que on trouvait que c'était un matériel de départ qui se prêtait très très bien à une adaptation en jeu vidéo. Il y a toute une partie ludique qui ressort de son travail et de ses artworks qui est assez évident. Par ailleurs, c'est un travail qu'il a fourni qui est très drôle. Donc on retrouvait comme ça des ingrédients de tout ce qui fait un bon jeu, c'est-à-dire un univers graphique vraiment surprenant, des idées aussi surprenantes, rigolotes, des manières de mettre ça en scène qui étaient vraiment originales. Et en fait, l'idée est vraiment partie de la découverte d'un livre qui est édité par les éditions Tachène, qui est un livre regroupait un peu quasiment tout le travail de l'artiste. Donc, c'est un gros livre. Et en fait, en feuilletant le livre, ça nous est vraiment tout de suite sauté aux yeux que c'était vraiment quelque chose. Il y avait voilà, comme ça, tous les ingrédients pour en faire un super jeu.
Pues siguiendo contigo, Marc, te quería preguntar como desarrollador y teniendo en cuenta que has trabajado pues, en algunos proyectos de ámbito más comercial y en otros pues como con una intencionalidad más alejada de la venta como este, quería preguntar cuál es la diferencia en el desarrollo, cuál es la diferencia al plantear los proyectos. En fait, je crois que, enfin, je trouve qu'il y a un petit problème de formulation dans cette question, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas parce qu'on fait un jeu artistique et un jeu qui est basé sur un travail artistique assez exigeant qu'on n'est pas un jeu commercial. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde, si on fait une espèce de moyenne, qu'on regarde le baromètre des jeux premium mobiles qui sont vendus sur les plateformes, Homo Machina, il fait partie des jeux à succès, en fait, sur la partie évidemment premium et pas sur les free-to-play. Donc, en fait, je trouve que cette question, elle est pas forcément opérante. Par contre, si je peux un peu la reformuler ou en tout cas apporter d'autres éléments de réponse, je dirais que ce qui a été différent par rapport à la création d'un jeu entre guillemets traditionnel, c'est qu'en fait on était dans le cadre d'une adaptation. Et qu'une adaptation, ça veut dire travailler dans le respect du travail de l'auteur original. Comprendre, bien s'imprégner de son travail, vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants de l'œuvre, les intentions de l'auteur, qu'est-ce qu'il veut nous dire, comment il nous le dit. Et en fait, tout le travail a été, tout le travail de création a été mené dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment se plonger dedans, comprendre, essayer d'extraire vraiment tout ce qui fait vraiment tout ce qui rend cette œuvre unique et le transposer dans un autre médium. D'ailleurs, pour rejoindre sur la question de jeu commercial ou pas, il faut savoir que Friscan, en fait, c'était un auteur très commercial à l'époque, dans les années 30. Après, il y a eu la guerre, il était juif, il a été, voilà, son œuvre s'est un peu perdue avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, malheureusement. Mais c'était quelqu'un déjà qui était très commercial, puisque ses bouquins étaient, je crois, enfin, je crois pas, j'en suis sûr, ses bouquins étaient dans les classes élémentaires, par exemple, allemandes, et les élèves allemands utilisaient le travail de Fritz Kahn. Donc, du coup, nous, tout ce qu'on a fait, c'est de trouver le meilleur moyen pour transposer cette œuvre d'un média à un autre, c'est-à-dire du papier vers un média peut-être plus moderne ou en tout cas plus nouveau, qui est le jeu vidéo. Et juste pour complémenter ta réponse, c'est vrai que si on avait voulu peut-être faire un jeu plus commercial ou avec un autre format, si on avait voulu par exemple qu'il soit freemium ou plus grand, il aurait fallu qu'on réfléchisse le jeu autrement et peut-être qu'on se base un petit peu moins sur ces planches, mais qu'on créer carrément d'autres choses là où on avait quand même vraiment nous pour objectif de rendre hommage à Fritz Kahn. C'est vrai que c'est une perspective un peu différente. Pues dejando de un lado el desarrollo y ya centrándonos en la difusión del juego, me gustaría preguntaros qué feedback habéis recibido de la comunidad, especialmente de aquella que no está acostumbrada a jugar a videojuegos o que no que a lo mejor nunca había jugado a un videojuego en su vida. C'est vrai qu'à Arte, nous, en tant que chaîne de télévision, à la base, on ne s'adresse pas forcément à des joueurs, ou du moins ceux qui nous suivent le plus sur les réseaux sociaux ou à l'antenne. Ce n'est pas forcément des gens qui sont très très habitués aux jeux vidéo. Alors, c'était rigolo de leur mettre Homo Machina entre les mains et qui découvrent avec la confiance qu'ils nous prêtent. L'univers du jeu vidéo. Heureusement, Homo Machina, c'est un jeu qui est très accessible et qui permet à n'importe qui de découvrir l'expérience et de l'apprécier. On a vu des personnes âgées jouer au jeu avec plaisir. On a vu aussi des très petits jouer au jeu en famille, que ce soit sur des salons ou lors de rencontres avec le public. Et ça, c'était intéressant de voir qu'on pouvait aussi connecter et rendre le jeu accessible au sens premier. Et en tant que service public, je pense que c'était important qu'on garde en tête l'accessibilité du projet au plus grand nombre. Notre mission, c'est quand même de donner des choses qui sont jouables par tous. Et Marc, je sais que toi, tu as eu des contacts, notamment par exemple avec des professeurs Oui, tout à fait. d'école.
Ouais, nous, on a eu beaucoup de professeurs plutôt de primaire, collège, qui voyaient le jeu et qui disaient c'est clairement ce que j'ai envie de mettre dans les mains de mes élèves. Tiens, on vient de faire l'acquisition de plein de tablettes pour la classe de sciences nat. Il faut absolument qu'on l'ait. On a eu quelques mails aussi de profs qui disaient que c'était un super support pédagogique aussi pour apprendre l'anatomie humaine, quoi. Pues hemos estado hablando hasta ahora de cultura, así en general, pero además del arte, el juego tiene pues, una base científica. Y me gustaría preguntar precisamente por eso, sobre cómo se mantiene el equilibrio entre el entretenimiento y pues, la veracidad científica que tiene que tener el juego. Alors, ça rejoint un peu ce qu'on se dit, c'est-à-dire que en fait, déjà, l'œuvre originale de Fritz Kahn, elle faisait sens parce que justement, elle avait dans son ADN, en elle-même, elle avait déjà toutes ces qualités-là, c'est-à-dire qu'elle est drôle, elle a une direction artistique, un graphisme qui est vraiment original, et elle porte même en elle, je dirais, quasiment des germes de puzzle game. Donc en fait, c'était pas si difficile que ça. Et d'un point de vue scientifique, on n'est pas sur des connaissances extrêmement complexes. On n'est pas en train d'essayer de faire comprendre des sciences dures ou de la physique quantique, quoi. On est quand même sur des notions de base très simples. Et en fait, je pense que la force de Fritz Kahn, c'est en tout cas avec cette illustration-là qu'on a choisi pour adapter, c'est pas tant de nous apprendre beaucoup de choses, mais plutôt de nous passer l'envie de se plonger dans la science. Parce que c'est une manière vraiment très différente de faire passer des connaissances et ça donne envie d'en savoir plus, en fait. Il y a beaucoup de gens qui considèrent l'œuvre de Fritz Kahn comme une espèce de virus qui vient nous contaminer. Une fois qu'on a vu ses dessins et qu'on les a appris parce qu'ils sont très simples de comprendre, on a envie d'aller plus loin et on a envie d'approfondir. Et donc, pour nous, il n'y avait pas vraiment de complexité au niveau de la science. On a plutôt essayé de suivre ce chemin-là qui était de ouvrir la curiosité des gens et leur donner envie de se plonger dans plus de sciences humaines et d'anatomie et de sciences en général. C'est un peu la... C'est un peu ce qu'on s'est dit quand Marc nous a présenté le projet la première fois à Arte. On s'est rapidement demandé, est-ce que c'est un jeu qui doit apporter des connaissances scientifiques? Est-ce qu'on doit réorienter éventuellement des idées de Fritz Kahn qui pouvaient être parfois tellement schématiques qu'elles en étaient fausses? Ou alors, avec le recul, puisque l'œuvre a plus de 100 ans, parfois, entre-temps, des choses ont été contredites et on s'est assez rapidement dit non, c'est pas notre rôle, c'est pas notre rôle d'apprendre comment fonctionne le corps humain avec une véracité scientifique de toute façon qui est obsolescente programmée. Donc plutôt rendons hommage à ce qu'avait fait Fritz Kahn et la manière dont il l'avait raconté, et ça sera déjà un super pari. Et puis c'est également. Enfin, c'est autant un médecin qui veut nous faire passer des connaissances scientifiques qu'un artiste aussi qui nous transmet une œuvre graphique et picturale. Donc, c'est compliqué aussi de venir démonter une proposition artistique, même si c'est une preuve de science. Quoi. Pues, continuo ahora sí. Ahora que hay tantas conversaciones sobre pues, la parte más emocional de las mecánicas y qué es lo que las mecánicas en un juego pueden aportar a la narración, supongo que la pregunta más obvia es ¿qué aportan los puzzles dentro de la obra de Fritz Kahn? ¿Cómo nos ayudan a comprenderla mejor? C'est aussi quelque chose que j'ai dit précédemment, mais en fait... L'œuvre de Fritz Kahn, elle porte en elle déjà des germes de puzzle game. Il y a des mécaniques. En plus, on est dans un univers qui souvent est mécanique, c'est l'industrie ou c'est la machine. Donc, on est déjà de base dans un univers qui est mécanique, où il y a des rouages, où il y a des leviers, où on a envie
d'actionner des choses et on a envie de voir ce que ça, on a envie de voir le résultat. Et donc il y a comme ça tout un cheminement intellectuel qui se rattache un peu à la logique des puzzle games. Et puis par ailleurs, d'un point de vue plus aussi d'un point de vue global, moi je trouvais, on a tous trouvé qu'il y avait une certaine forme d'affordance dedans, comme le jeu vidéo, c'est-à-dire que tu as des couleurs, tu as des formes, tu as des chemins visuels comme ça que tu vas suivre des yeux. Et en fait, ça c'est un peu la vieille recette en fait du game design d'aujourd'hui, quoi. Et c'est pour ça alors on disait avec Adrien que ça nous paraissait logique dès le départ d'adapter son œuvre en jeu, c'est parce que en fait il porte vraiment lui les germes de voilà de petits puzzles. Quand tu regardes les visuels, tu as vraiment l'impression, tu cherches des chemins avec ton regard, tu te dis putain mais ça qu'est-ce que ça fait, où ça va, etc. Donc en fait tout ça c'est une espèce de tout et je pense que c'est ce qui fait une bonne adaptation aussi. C'est en fait que déjà à la base on sent qu'il y a quelque chose d'évident dans l'adaptation en jeu vidéo et en puzzle game. Pues ya para ir acabando, me gustaría que me dierais alguna idea, alguna reflexión sobre qué impresión os han dado los videojuegos dentro del papel de la difusión cultural. Si debería ser un medio que tenga más presencia o debería mantenerse un poco al margen como ha estado hasta el momento. C'est un petit peu ce qu'on avait entamé déjà avant de faire Homo Machina. C'est vrai qu'Arte, bien sûr, on est une chaîne culturelle, donc c'est ce qu'on cherchait déjà dans les jeux vidéo qu'on produisait. Il y a des connexions évidentes avec la diffusion de la culture européenne ou la diffusion de la culture en général. Et avec Marc, avant, on avait travaillé sur Californium, qui était un jeu vidéo sur l'œuvre de Philippe K. Dick, c'était aussi une manière d'aller présenter un artiste à un public de gamers qui peut-être ne regarde plus la télé ou peut-être ne lit pas forcément énormément de livres. Et du coup, prendre une autre forme et une autre façon de présenter les choses. Aujourd'hui, nous, on est bien sûr à Arte, la dizaine de jeux qu'on a produits déjà, elle traduit bien ça, elle traduit notre envie d'utiliser le jeu vidéo comme un art à part entière et aussi comme une façon de soutenir une industrie d'auteurs qui ont plein de choses à dire. Et voilà, on croit bien sûr que le jeu vidéo est un moyen de faire ça. Pues con esto ya estaría todo. Marc, Adrien, muchas gracias por estar con gracias. Nosotros. Gracias a vosotros siempre. Y nada, pues nos vemos en más entrevistas. Hasta la próxima. Bye bye.